Escape 3. C'est bon. C'est bon, c'est en train de me libérer les salles. Après, je vais avoir une vague de jeu, ça va être débile. Voilà, c'est ce que je disais. Alors, ah, puis on a un petit peu de hype en plus c'est sur ces trucs-là. Bah du coup, hop. Je sais pas, allez, un petit jeu. Black and Grey était combien? 82? 61? Ah non, ça vaut pas le coup. Ouais, bon, vas-y, Black and Grey. Un jeu sorti en février qui vaudrait un peu le coup. Là, système Cybershock, il est à 85%. Ah, peut-être le hype un petit peu. Ça fait plus d'un an qu'il est sorti, mais c'est pas grave. Ça, c'est de la merde. Donc, tu te démerdes. Mais c'est sans moi. Va falloir que je regarde un peu plus ça aussi. Parce que je me suis fait avoir avec Squash. Attends, mais je suis déjà à 400. Je suis déjà à 439 millions. 40 à 60%. Ah, commence à trier. Hein. En vrai, ça va. Il tombera pas dans les pires jeux de l'année. Donc en vrai, on va prendre quand même. Voilà, 70-90%, ça c'est un bon jeu. J'ai cliqué sur la filiale avant le jeu, c'est ça? Oh quel con. Mais quel boulet! Bon, 60-80%, voilà, là je distribue. Dix quatre-vingt-dix. On fait tellement de la moula. Fallout. C'est ça, hein, Dynasty Samurai 2, hein, c'est ça le jeu que je viens d'accepter, hein, on est d'accord? C'est ça.
Ok. Putain, on a rien. Abusé. Du coup, est-ce qu'on retente de faire un chef-d'œuvre? Non, on va encore essayer d'améliorer nos moteurs. On refera des jeux après, il n'y a pas de souci, mais pour le moment, j'améliore et je vais améliorer un jeu, enfin voilà, un moteur qui est un petit peu vieux, par exemple le moteur de sport là. Hop, histoire de le mettre à jour. Et après, on fera les moteurs qu'on n'a pas. Quarante, 60%, ouais. Un petit 50%, bon. Ouais. Cinquante, 70, ouais. C'est des petits jeux, ça. C'est des petits jeux, c'est pas. Ça coûte rien de les prendre. Bon, voilà. Enfin, ça coûte une salle, quoi. Alors, The Chaos Machin. The Chaos Machin et Escape 4. Et il y en a un là qui est en train d'atteindre des profondeurs. Un million de commandes. Dans 3 semaines, un million de commandes. Je sais pas s'il y a d'autres jeux qui sont descendus aussi bas en investissement. Enfin, aussi haut en investissement, je veux dire. Parce que là, je viens d'investir 15 millions dans le jeu quand même. Parce qu'il y a un million de ventes. Bon, voilà. Allez, qu'est-ce qu'on a d'autre? J'ai envie de prendre un éditeur. J'ai envie de prendre un éditeur. Il y avait l'éditeur que j'avais pris au début, la Tétu, là. Il est à combien? Il est cher. Il est trop cher. Mais si je prends une petite force de marché, 230 000. Faut voir. Mais si j'achète un éditeur chez Epixware. En vrai, vas-y. Allez. Et donc, parmi mes filiales, donc il y a Epixware. Voilà. Qui est éditeur et développeur. Donc, niveau développement, on va l'améliorer, ça c'est pas un problème. Et pour le coup, lui, il est éditeur. Du coup, je peux reprendre ma politique. Et le truc, c'est. Voilà. Hein, alors, ça n'a pas été traduit, mais maintenant, si ils publient eux-mêmes leur jeu, ils vont passer à travers un éditeur que je possède. Et je possède un éditeur. Après, je peux passer des. Ah, ça coûte 25 millions. Ça coûte pas si cher que ça, en plus de les passer éditeur, les autres. Mais. Comme ça, ils s'éditent eux-mêmes ou ils s'éditent entre eux. Ça fait un petit. Ça fait un mess, quoi. Ça fait tourner l'argent, en fait. C'est sur ça, c'est surtout ça. Et mine de rien, faire tourner l'argent, ben. Hop. Ah, lui, il veut bien être acheté. Super. Maxus. Maxis, génial, on va voir les Sims. Ouais, vas-y.
il n'y aura pas d'investissement sur toi, donc vas-y. Alors, j'ai une filiale par contre à développer du coup, non? Maxis, là, ils étaient à combien? Ah non, ils étaient 4 étoiles, ok, non mais nickel, 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 nickel. Paramètres de l'atelier, hop, appliquer à toutes les filiales, on y va. Un employé a démissionné. Bon bah. Les gars, je te dis, moi. Ah non, ça... C'est quoi ce truc? Non, non, oui, c'est parce que j'ai cliqué sur la poubelle, mais non, c'est pas ce que je veux. Je veux le vendre, pas de soucis. Du coup, j'ai deux jeux là, hein, qui sont en attente. Astrowork et Tricks and Tracks. Bon, ça va, j'ai quelques salles qui se libèrent, du coup là je suis plus trop stressé si j'ai une vague de jeux qui arrive. Ah, ça va. Bon, j'ai des jeux qui sont en train de quitter le marché, hein, évidemment. 60-80, on y va. J'y pense là, les autres. Eh hey, ouais, j'ai plus de jeux d'arcade là qui sont en vente là. Donc eux là, ils sont en train de rien foutre. Je vais laisser un petit peu couler, c'est juste. Ouais, quand mon moteur de sport là il va s'arrêter, je développe un jeu d'arcade, hein, parce que. Ah, putain. Mais là, j'ai pas vu sa note. Bon, c'est bon. Bon, ça fait 3 jeux de plus là. Mais. Commande 2. Et masqué de machin. Masqué de vampire. Et mais décidément. Alors, c'était combien ça? 74. Bon, alors, hop. Tricks and Tracks, c'était pas mal, je crois, 88%, ouais, c'est ça. Hop. Du coup, hop.
Il me reste 5 pièces, c'est ça? Il me reste de quoi accueillir 5 jeux supplémentaires. 5 jeux, sachant que je peux encore racheter des concurrents. Hein. Une fois qu'on aura tous les devs, en vrai, après il restera plus que les éditeurs, quoi. Et après, on passera tous les développeurs en éditeurs et c'est réglé, quoi. Même si en vrai, je peux le faire. Ouais, vas-y, hop. Ouais, là j'ai éditeur et développeur. Ouais, donc en vrai j'ai déjà les éditeurs en fait là-dedans en fait je crois. Donc en vrai on verra. Je sais pas s'il y a des entreprises qui peuvent être juste éditeurs, faudra que je regarde. Hop, et ça je peux l'acheter aussi. Après ça va monter dans les prix, hein. Voilà, il y a des 2 milliards, il y a des. La plus chère entreprise, elle est à 2 300 000, c'est Squall. Je vois pas trop ce que c'est. Il y a LucasArts, je vois. Hop. J'ai un 5 étoiles? J'ai pas vu que j'avais acheté un 5 étoiles. Hop. Paramètres. Mais ouais, j'ai deux. Enfin, oh, j'ai acheté deux 5 étoiles, j'ai pas vu que c'était des 5 étoiles. D'accord, ok. Du coup, est-ce que je commence à claquer un peu plus de pognon? Allez, ça me fera 3 entreprises à 5 étoiles. Je peux déjà commencer à les passer à 5 étoiles en vrai. Master Times, ok. Et tout de suite remplacé par Commander. Ah, Commander and Conquest, tiens. C'est drôle, les jeux sont moins. Enfin, les titres des jeux sont moins masqués que dans le 1, je trouve. C'est sympa, mais c'est bizarre pour le coup. Peut-être qu'il a reçu des messages des. Enfin, de. J'en sais rien. Si le dev a reçu peut-être des messages des créateurs de jeux qui ont dit: ah, oh, si, tu peux utiliser les noms, y a pas de soucis. Ça fait de la pub, hein, remarque. Hein. J'ai pas regardé le. Ouais, si, 80%, c'est bon. Tomb Mais attends, laissez-moi respirer une seconde. Hop. Alors, il y a Castle Gear. Et Horse of Hell. Et il me reste plus que deux salles. Hein. Ouais, il me reste plus que deux salles. Best of the best. Rien que ça, quoi. Le meilleur des meilleurs.
C'est le dernier jeu que je peux prendre. Heureusement qu'il est bon. Ah, c'est SimCity, bien évidemment. Vas-y, je vais le prendre. Si j'arrive pas à le caser dans une salle dans 20, dans les 20 semaines qui arrivent. Ah, si, c'est bon, il y a une salle de libre. Il y a de la chance. J'ai encore une salle de libre ici. On a un jeu de l'année. Soixante-80%, on y va. Bon, là je peux pas accepter d'autres jeux. Hein. Franchement, voilà, hein, je. Je le prends, mais honnêtement, si c'est pour la démat, hein. Je le vends en démat. Hein. Si, s'il n'y a pas une pièce qui se libère dans les 20 semaines, non. Non mais c'est une blague. Ouf. 1 à 20%. Crazy, bingo, remaster. Eh ben tu le vends. Et il va falloir que je gère ça, hein, parce que... Écoutez, j'ai l'impression que je vais cocher ça, hein. Et que je vais laisser le jeu faire. Pas le prendre, frérot, je peux pas le prendre. Je suis saturé, frérot. Déjà là, il y a. Laissez-moi accéder à mes salles. Il y a tout cas là. Hop. Mais un Drain Master par exemple, vas-y, vends-le. Qu'est-ce que tu me fais là? Est-ce que je tente une dingue? Une dingue du genre, je vends tout le stock. Et tant pis, je reproduis. Vas-y, j'ai pratiquement 1 milliard, je m'en fous. Et si je dois reproduire des trucs, je reproduis. Hop, on est reparti, mais je repars sur un stock correct. Honnêtement, honnêtement, l'agent. Ça, on s'en tape. Hey, je suis encore en vente, lui. Putain de con! J'ai oublié de le mettre en production, Ice Hunter 3, c'est pour ça que depuis tout à l'heure il. Bon, c'est pas grave. J'ai fait une boulette là-dessus. Autodistribution, vas-y. On va essayer de te mettre dans une salle. On va essayer, hein, bien dit. Tant pis, ça se vendra en démat. Ça se vendra en démat de toute façon.
Mais j'ai fait le con avec Ice Hunter 3. Résultat, j'ai perdu 13 millions là-dessus. Mais bon, c'est 13 millions, c'est pas grand-chose. Mais... Je suis en train de faire des promesses que je pourrais pas tenir là. Alors dans la liste. The Casino. Semaines pour Bitrain. Faut que j'ai une salle qui se libère. J'ai 1 400 000 en pognon. Vas-y, rien à carrer. C'est bon. Du coup, ici, j'ai une salle qui s'est libérée. Ça devient serré, hein. Ça devient très très serré. J'avouerai que je me sens serré dans mes salles, là. C'est bon. Je peux reprendre des jeux. Bon. Alors, je vais faire une dinguerie. Je vais continuer à acheter des devs. Non, je vais les améliorer. J'ai amélioré mes devs, j'ai 1 685 000 000. On va améliorer. Mais non, ça c'est de la chasse. Filiale, voilà. On va améliorer les devs. Après, en vrai, je commence à me dire. Allez-y. Et ceux qui sont 5 étoiles? Si je peux, je les passe aussi en... Comme ça, au moins, ils sont faits. J'ai plus à y toucher, quoi. Donc, on le sait, ça me coûte 1 025 000 de compléter un dev. Après, ce que je peux faire, c'est de nouveau changer de stratégie. Ça peut se faire. C'est... Je laisse les ventes se faire. Et une fois que j'ai vendu tous les jeux là, que m'ont envoyé les filiales, là, tous ceux qui sont en vente là, actuellement, je reprends des jeux, mais je les vends sans délai. Parce que de toute façon, je suis plus du tout la hype, je suis plus du tout rien en fait, c'est juste que de la vente, de la vente, de la vente. Parce que les 20 semaines de délai à chaque fois, en fait, mine de rien, c'est en train de me mettre dedans. Du coup, je pense que je vais changer ma politique. Parce que j'arrive plus à suivre. Donc, je vais laisser les jeux s'écouler. Et après, je vais partir sur de la vente immédiate.
Allez, dernier. Bah quoi? Pourquoi je peux pas le passer éditeur? Il me faut plus que ça? Il doit y avoir une marge de sécurité. Oui, et du coup, je change de politique. Bon, je prends celui-là. Mais c'est le dernier, hein? Ok. Du coup, excusez-moi. Filiale. On va modifier les paramètres. Les jeux sont auto-édités. Pour le moment, obligé d'être chez un éditeur à moi. J'applique à toutes les filiales. Ok. Et c'est parti. Et là, je vais laisser un petit peu les jeux s'écouler. Parce que, wow. Alors, j'avais du coup une salle de libre parce que j'ai un jeu qui est parti, mais j'ai un jeu qui est arrivé. Voilà. Voilà. Donc, on va laisser les jeux un petit peu s'écouler. On va. C'est bon, on a brassé énormément d'argent là. On en brasse encore énormément parce que bah, tous les jeux qui sont là, il faut bien qu'ils partent. Et après, on va repartir sur de l'achat de. Enfin, de la revente, hein. Mais. Les jeux mobiles sont débloqués. Ok. On va repartir sur le même modèle, mais sans les 20 semaines de délai. Parce qu'en fait, c'est ça qui m'a mis dedans, quoi. C'est que pendant 20 semaines, une semaine. Comment? Une salle est occupée pour quasiment rien, quoi. L'idée c'était de pouvoir profiter de la hype, mais en vrai on en profitera quand ça arrivera et c'est tout quoi. Sans plus réfléchir que ça. Du coup. Alors cette fois-ci, on va faire la suite, mais cette fois-ci, on va pas oublier de le vendre. Ah, ben, sauf que je dois mettre fin à la session de tournage. C'est l'heure. Du coup, on fera la suite de Ice Hunter à la prochaine session de tournage. Mais voilà, mais là la stratégie, ça va être de laisser les jeux s'écouler. Parce que voilà, hein, de toute façon, vous voyez, hein, tout est dans le vert, hein, de toute façon. Et dans le vert, bien dans le vert comme il faut. Hein. Il n'y a que Ice Hunter 3, mais parce que j'ai fait le con. En vrai, vas-y, si je le lance quand même. Parce que j'ai fait le con, mais... Est-ce qu'on peut essayer un petit peu de casser un petit peu le... Malchance parce que ça fait combien de semaines que j'ai raté à cause de ça? 248 semaines. Ouais, bon, de toute façon, il est mort quoi. Le jeu est clairement mort. Le jeu est clairement mort. Mais bon, je vais essayer de. Ouais, voilà. Bon, j'ai regagné quelques millions quoi. Je limite la casse, on va dire. Mais clairement, c'est de l'argent que j'ai foutu en l'air. Bon, c'est bon, j'ai mes salles qui commencent à se libérer. Bon, juste avant, là, je vais... Juste avant de quitter, là, on va se quitter sur une dernière amélioration des quelques devs que j'ai. Alors, attendez, juste, il y avait le dev juste au-dessus. Ouais, ces devs-là.
Il y a plein de... Pourquoi? Attendez, pourquoi ils sont... Je sais pas pourquoi, je les ai passés en entreprise, mais... Enfin, en dev, mais ils... Je sais pas, ils peuvent pas forcément y passer, j'en sais rien. Ce qui marque plus, dev et éditeur. Bon, c'est pas grave. C'est pas grave, on s'en fiche, c'est pas grave, on le fait et on verra bien. Du coup, P machin là. Ok, eux étaient déjà éditeurs. Et j'ai plus de pognon. Bien, bah écoutez, hop, je mets en pause, ça vient d'être sauvegardé. Je refais une sauvegarde quand même au cas où. Voilà. Voulez-vous vraiment écraser la sauvegarde? Oui. Voilà. Et sur ce, eh ben, je vous dis à bientôt. Bien, donc on se retrouve. Pour vous, c'était il y a une seconde. Pour moi, c'était hier. Du coup, ben, on est parti. On voulait faire un. On voulait commencer un Ice Hunter 4, je crois. Parce que. Voilà, parce que j'avais merdé avec le 3. J'ai oublié de lancer la prod, en fait, tout simplement. Faut que je pense à le faire pour le 4. Parce que là, c'est juste débile, en fait, ce qui m'est arrivé. Du coup, game moteur d'adresse. On va en profiter pour se mettre à jour sur nos plateformes. On a la Game Boy Advance qui est sortie. Je vous rappelle que pour moi, la meilleure console portable que j'ai eue dans ma vie. Tiens, il y a la Nintendo DS aussi. C'est la Game Boy Advance SP. Qui était une. Je l'ai toujours d'ailleurs. Hein. Elle est géniale cette console. C'est franchement, c'est la meilleure console que j'ai eue dans ma vie. J'y ai passé tellement d'heures. Est-ce que... On va essayer comme ça. Hop, on met tout. 44 techno. On peut pas mettre de micro-paiement là-dessus. On envoie les améliorations. Il y a un truc que j'ai pas regardé. C'est pas grave. Faudra que je regarde si on... Et apparemment, je manque de personnel. Faudra que je vois s'il lance les bugs tout seul. Eux, c'est occupé, c'est occupé. Là, c'est occupé. Du coup, il manque de salariés? Oh.
Ok. Alors, je suis désolé, le jeu va s'accoter un petit peu, mais je suis en train d'encoder une vidéo. Je suis en train de faire un rendu, en fait, à côté. Du coup... Ah, mais non, mais c'est pas possible! Eh oh! Ok, on a la convention. Alors, qu'est-ce qu'on peut mettre? Croc Bandico 4, déjà. On a notre jeu en développement, ça faut qu'on le mette. Puis on va mettre voilà le petit F29 là. Hop. On a toujours nos consoles qui sont en train d'être développées, enfin en train d'être recherchées. Pas encore. Oula, j'ai un truc qui était en négatif. Ah bah oui, c'était. Ah bah c'était un Sector 3, donc il vient de terminer. Du coup, j'ai bien fait de lancer Ice Hunter 4. Parce que là, résultat, j'ai mon studio qui fait plus rien là. Enfin, mon. Ok. Bon, les jeux sont en train de partir, hein, comme prévu, comme ce qu'on avait prévu le dernier coup. Du coup, bon, les salles sont en train de se vider petit à petit. Et donc, on va partir sur notre politique après, c'est d'accepter des jeux, mais en vente directe, quoi. On diffère plus de 20 semaines. On prend un jeu, on le vend directement. Sans délai. Parce que les 20 semaines de délai m'ont mis dedans. Bon voilà, ça libère les pièces petit à petit. J'ai 700 millions. On va peut-être aussi faire les RICOM avant de le faire comme ça. Je vais vider ma liste des RICOM. Mes RICOM, mes GOTY, mes trucs comme ça. Ça, ok. Ici, ça continue d'être développé. Mes vidéos sont en polissage. Le son est presque terminé. Alors surtout, le gameplay, j'aimerais voir si... Ok, Casino 2. Bitrain aussi. Ok, puis je suis en correction de bug. Donc c'est bon, c'est ce que je voulais. Ok. Du coup, il me reste 3 jeux, ça tombe très bien. Ouais, même si ça c'est un MMO, ça sert à rien de le relancer. Même s'il m'a rapporté, hein, c'est pas trop de problème. Bon, du coup. On a plus que 2 jeux, dont un MMO qui va durer longtemps. C'est ça qui va m'en. Enfin, c'est pas grave, il est rentable, mais ça serait plus rentable avec une salle serveur, mais en vrai, non.
Du coup, hop, pause. On va laisser s'écouler encore une année. On va attendre le sixième mois. On va déjà mettre trois jeux. Trois RICOM. Ice Hunter. Il reste 400 bugs. On va continuer. Le reste, c'est du polish. Qu'est-ce que je fais? Tant pis pour les RICOM. Ou je les balance comme ça et puis tant pis. Non, vas-y, on va balancer. On envoie la purée. Ah, je suis au moins les gothis, peut-être. J'ai quelques gothis à faire. On verra. On les fera peut-être plus tard. Le truc, c'est que la liste s'accumule. On va rouvrir au filial. Parce que là, clairement. Tiens, ça a été mis à jour, ça. Oh! C'était corrigé. Pas de jeu auto-édité. Ça va être quoi? Ah, on... D'accord, ok. Donc tous les jeux qui sont en dessous de 80%, ils les éditent eux-mêmes. Si le jeu est à plus de 80%, c'est nous qui éditons. Ça me convient parfaitement. C'est génial. Ça, c'est génial. C'est une excellente augmentation. C'est un excellent... une excellente revue. Ça, alors là, j'applaudis. Je suis en train de regarder. Ouais, c'est bon, allez. Ok, on applique ça à tout le monde. Donc là, tous les jeux qu'on m'envoie, c'est minimum 80%. Attendez, j'ai pas fini avec mes filiales. Vu que j'ai 1 milliard là et quelques là, je vais. Voilà, on va upgrade ce qui manquait. Ok. Ils sont déjà éditeurs. Eh ben super! Ils sont tous 5 étoiles et éditeurs. Et j'ai 800 millions pour racheter même un autre concurrent. Il n'a qu'un jeu lui, donc il acceptera pas. Un jeu. Hit Studio, 200 000. 200 millions, pardon. 200 millions.
et Biosoft. En vrai, je peux acheter eux aussi. Hein? Ils ont pas voulu? Non, ok. Donc pour le moment, on va rester comme ça, hop, et on va améliorer les quelques-uns qui me manquent. Du coup, hop. On applique la politique aux nouvelles filiales. Et c'est parti! Ah, mais cette upgrade, elle est géniale, par contre. Du coup, on va avoir moins de jeux un peu bidons. Voilà, on a... Pourquoi? Alors, celui-là, il n'est pas à 80%, du coup... Bon, vas-y, on distribue quand même. Donc ça nous fait déjà deux jeux qui partent. Production. Hop. Ah, attendez, je vais juste relire résultat le truc parce que c'est bizarre que j'ai eu un jeu à moins de 80%. Sauf si c'est l'estimation, mais... Donc, jeu auto-édité, mais... Alors, tous les jeux qui sont en dessous... De ce rang d'estimation sont automatiquement publiés par la filiale. 80%, est-ce qu'on n'accepterait pas 70% aussi? Oh non, ça ira. Allez, hop. Donc on est d'accord, hein. Donc c'est une estimation, mais s'il y a... Mais entre 70 et 80%, ça compte aussi, quoi. Et ça qui est un petit peu bête. Bon, c'est pas grave. C'est pas grave. On accepte. C'est pas grave, on accepte. Et ça ira. Ah, enfin, le MMO s'est barré. Bon. Lui, il en est où, lui? Ok. Autre distribution. Un pour cent. Hop. Quatre-vingt-six pour cent. Juste, il y a un jeu, je crois, c'est Jagged là. Jagged, il y a un problème avec lui. Il va juste falloir. Voilà, ça.
Ok. Du coup, les jeux arrivent quand même, hein, parce que ce... Après, ça veut dire qu'il y a des jeux aussi qui sont édités tout seuls que je vois pas, hein, évidemment. Merde. C'est quoi, c'est Black and Grey? Hop, il est. En vrai, je devrais mettre 2 semaines. Parce que ça laisse quand même la précommande se faire. Et par contre, ce que je vais faire, c'est je vais arrêter de me mettre en accéléré. Je vais me mettre en mode de jeu normal. Parce que là, j'ai du mal à suivre en vrai. J'ai un petit peu de mal à suivre. Lui, il est fini. Je vais juste.